Manville Momble, administrateur des filatures Jugman et vice-président de la Société française des soirées de France. Enfin, M. Ziegler, le dernier de la liste, et qui ferait figure de parent pauvre si sa femme ne possédait pas 33% des bazars de Sao Paulo. Je vous demande pardon. À l'énoncé de tous ces titres, je réalise la folie de mon entreprise. En vous présentant ce projet, je ne vous demandais pas seulement vos voix. Je vous demandais d'oublier ce que vous êtes. Un instant d'optimisme. C'est sans doute à cet optimisme que M. Chalamont faisait allusion tout à l'heure, en évoquant mes bons sentiments et mes rêves périmés. La politique, messieurs, devrait être une vocation. Je suis sûr qu'elle l'est pour certains d'entre vous, mais pour le plus grand nombre, elle est un métier. Un métier qui ne rapporte pas aussi vite que beaucoup le souhaiteraient et qui nécessite de grosses mises de fonds. Une campagne électorale coûte cher. Mais pour certaines grosses sociétés, c'est un placement amortissable en 4 ans. Et pour peu que le protégé se hisse à la présidence du Conseil, alors là, le placement devient inespéré. Les financiers d'autrefois achetaient des mines à Djelidzer ou à Zoa. Eh bien, ceux d'aujourd'hui ont compris qu'il valait mieux régner à Matignon que dans l'Oubangui, et que de fabriquer un député coûtait moins cher que de dédommager un Rouennais. Vous voyez, messieurs, nous aurons enfin été d'accord une fois. Je partirai au moins avec l'estime de mes adversaires. Et maintenant, permettez-moi de conclure. Vous allez faire avec les amis de M. Chalamont l'Europe de la fortune contre celle du travail, l'Europe de l'industrie lourde contre celle de la paix. Eh bien, cette Europe-là, vous la ferez sans moi, je vous laisse. Le gouvernement maintient son projet, la majorité lui refusera la confiance et il se retirera. Il y était préparé en entrant ici. J'ajouterai simplement pour quelques-uns d'entre vous. Réjouissez-vous, fêtez votre victoire, vous n'entendrez plus jamais ma voix. Et vous n'aurez jamais plus à marcher derrière moi. Jusqu'au jour de mes funérailles. Funérailles nationales que vous voterez d'ailleurs à l'unanimité. Et ce dont je vous remercie par anticipation.